Bonjour à tous, et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce vendredi 28 août 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder quels sont les messages ici avec le petit oracle des fées pour commencer cette guidance. Donc je rappelle que c'est une guidance générale, que ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Prenez vraiment ce qui vous parle, voilà, tout simplement. Allez. Qu'est-ce qu'on nous dit ici pour ce vendredi 28 août? Quelles sont les énergies générales? Message pour nous. Voilà. La fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Ok. Donc là, ici, on nous invite vraiment à faire preuve de douceur, à rééquilibrer peut-être certaines énergies aussi, hein, certains... À mettre un peu de l'eau dans son vin, pourquoi pas, aussi, hein, dans notre état d'esprit, ou en tout cas dans notre façon de nous exprimer, ou d'être avec les autres. Oui. Ok, on nous dit ici que ça va faciliter les choses. Alors, on va voir maintenant avec l'oracle de l'énergie, pour ce vendredi 28 août. Ok, donc là, on a la carte de l'action inversée qui nous dit, en fait, elle nous invite, cette carte-là, à faire les choses peut-être avec plus de douceur, à ralentir peut-être la cadence, à être un peu dans cette notion de ne pas vouloir aller trop vite. Voilà, hein. De rester peut-être, alors peut-être pas dans l'inaction, je dirais plutôt dans quelque chose de moins précipité. Si vous avez une décision à prendre assez importante, on vous invite ici à faire le point, à garder, enfin, ralentir un petit peu les choses pour faire peut-être une petite pause pour vraiment réfléchir. Ouais, ok, on va voir. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle les portes de l'intuition. Quel est le message ici pour ce vendredi 28? Peut-être aussi pour certains, si vous sentez un peu l'impulsivité monter, une colère, quelque chose comme ça qui peut arriver d'un coup, on vous invite vraiment à souffler avant d'agir, hein. Voilà, n'allez pas, ne réagissez pas de manière instinctive ou impulsive ici. Ok. Oh, le plongeon, ok. Courage, élancez-vous, une réalité pleine de promesses vous attend. Ok, donc on est vraiment sur le fait de se lancer, hein. Donc là, pour aujourd'hui, il y a vraiment le fait d'être en retrait un petit peu, de réfléchir, hein, d'être dans la réflexion avant de pouvoir se lancer. Vous savez qu'il y a quelque chose ici d'important. Vous y pensez depuis un certain temps, vous savez que vous avez envie de vous lancer, vous sentez que le plongeon approche. Mais en tout cas, pour cette journée, on vous invite à faire les choses avec beaucoup plus de douceur, hein. La fée de la balance nous parle d'équilibre, d'équité, de diplomatie, d'essayer de faire les choses plus en douceur, je dirais, tout simplement. Si vous souhaitez vous lancer dans un projet, peut-être qu'il va être temps de peser encore un petit peu le pour et le contre. Voilà. D'essayer de trouver peut-être le bon timing, ou en tout cas, la bonne dynamique. Il y a quelque chose comme ça qui... C'est pas une énergie d'hésitation, c'est plutôt une énergie de prise de recul nécessaire avant le plongeon. Ok. Peut-être que vous avez aussi besoin, pour pouvoir vous lancer, de vraiment vous recharger en énergie. Vous savez, pour avoir suffisamment de courage, où on prend un temps pour souffler avant de se lancer. On va voir maintenant, avec la sagesse de l'oracle, ce qu'on nous dit ici, pour ce vendredi 28 août. On dit, oh, heureux, heureux, profitez l'instant présent, vraiment la joie, le bonheur. Il y a quelque chose ici où vous devez savourer quelque chose. Moi, je sens vraiment des énergies comme ça où il va falloir pas forcément être dans l'action pour cette journée, mais être dans l'instant présent, profiter. Profiter de cet instant-là avant le grand plongeon. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça va être une journée, en tout cas, je pense, plutôt une journée où on va vouloir prendre du temps pour peut-être pour les autres, plutôt dans le relationnel, où on va vouloir en tout cas profiter, voilà, si c'est avec les collègues de boulot, de rigoler un petit peu, de passer des bons moments, d'être moins dans le boulot, de pouvoir, je sais pas, organiser des choses qui vous font plaisir. Vous savez que vous allez devoir
vous lancer dans quelque chose qui va vous demander peut-être beaucoup d'énergie, beaucoup de courage, beaucoup de... ouais, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, prenez les choses du bon côté pour cette journée, parce qu'avec la carte heureux, c'est vraiment le fait de ressentir beaucoup de joie et beaucoup de plaisir. Ok, donc on va voir maintenant au niveau activité, énergie d'action ici avec l'oracle mission de vie. Qu'est-ce qu'on nous dit pour ce vendredi 28 août? Quels sont les messages pour nous? Okay. Oui, on nous parle ici de collaboration, de travail collectif, le fait de voir du monde en fait. Hein. Moi je pense que vous allez plus profiter hein, du côté relationnel aujourd'hui. De blaguer un peu avec les collègues ou avec des personnes ici, de voir du monde, voilà, et de voilà. L'envie, en tout cas, de rigoler, hein. L'envie de détendre un peu l'atmosphère, d'être un peu plus dans l'échange, décontracté, voilà, c'est ce que je sens ici. Parce que c'est peut-être même vous qui allez d'ailleurs entreprendre un petit peu ça, détendre un peu les collègues, blaguer, discuter, enfin voilà, on passe un bon moment ici. Vous allez être... Enfin, moi, j'ai le sentiment qu'on va être un peu dans une ambiance plutôt positive et plutôt décontracte. Hein. Ouais, c'est chouette. Ça fait du bien un petit peu de prendre du bon temps aussi, même si on travaille. Je veux dire, c'est juste une question d'état d'esprit, en fait. Hein. C'est avoir envie de rigoler, de plaisanter, de passer des bons moments, même si c'est au travail, quoi. Ou même à la maison, hein, d'avoir envie de voir du monde et de se dire, oh bah tiens, si on faisait un petit peu, je sais pas moi, on met la musique, hop, on prend du temps, du bon temps ici. Et puis on est dans le relationnel. Hein. Allez, on va voir ce que nous dit ici le tarot. Oh, chevalier de coupe. Ouais. Le chevalier de coupe, lui, il est un petit peu idéaliste. Hein. C'est une personne comme ça qui va être aussi un peu dans la séduction. Donc, pourquoi pas? Il y a peut-être des personnes ici qui ont peut-être envie de se lancer, hein, justement, à la rencontre de nouvelles personnes, de vouloir plaire aussi à des personnes précises. Hein. Ici, à une, peut-être une personne en particulier. Mais en tout cas, vous allez le faire de manière très légère. Pour certains, vous allez même peut-être passer à l'action, c'est-à-dire que dans votre milieu professionnel, il y a peut-être quelqu'un ici qui vous plaît. Et vous allez être vraiment dans une énergie de légèreté, de rigolade, de plaisanterie, voilà, de montrer vraiment le côté solaire hein, de vous-même. Hein, pourquoi pas pour plaire aux autres aussi, hein, pour être dans une bonne dynamique, quoi. Waouh, le monde, ça vous réussit en plus. On vous dit ici qu'il y a quelque chose, il y a une réussite. Hein. Pour moi, le monde, c'est un accomplissement. Ça veut dire que tous vos efforts, en tout cas, à ce niveau-là, va pouvoir enfin payer. Donc, on est sur le côté relationnel, hein, même au travail. Hein. Donc, il y a quelque chose, vous allez plaire en tout cas. Vous allez plaire et nous avons la 6 de Pentacle qui nous parle effectivement de vos qualités de diplomate. Effectivement. La balance, l'équilibre, l'équité, hein, la 6 de Pentacle, donner, recevoir, l'échange qui est vraiment constructif et qui est vraiment gratifiant en plus. Et puis, voilà, vous allez pouvoir plaire. Moi, je pense que si vous avez un contrat à négocier, quelque chose d'important, alors là, c'est une très très belle journée pour ça. Si vous allez, en tout cas, vous allez avoir suffisamment de courage pour pouvoir vous montrer sous votre meilleur jour. Par exemple, vous allez être vraiment... dans la séduction, dans le fait de mettre en avant vos atouts, hein, de vous montrer totalement accompli, et puis quelqu'un de diplomate, qui a les pieds sur terre, et puis de la douceur, hein, beaucoup de douceur. Donc là, il y a vraiment cette notion ici de plaire. Si vous devez vous intégrer, par exemple, dans une équipe, c'est gagné. Vous voyez, vous allez plaire, il n'y a pas de problème. En dos de deck, on a la reine d'épée. Wow. Donc, la reine d'épée, elle nous apporte le discernement. Il y a peut-être de nouvelles informations ici qui vont vous parvenir hein, grâce à votre travail ici sur vous, hein, le fait de vous montrer plutôt joyeux, positif, positive dans une situation ici qui va vous permettre d'y voir un peu plus clair et de vraiment d'avoir le courage et cette volonté en tout cas de vous lancer. Hein. De vous lancer dans cette démarche-là, pour cette journée. Donc on n'est pas forcément sur la démonstration de force sur quelque chose au travers d'une action ou d'un travail, on est plutôt sur l'attitude. Sur l'attitude que vous allez avoir, en tout cas pour cette journée,
par rapport aux autres. Et l'attitude qu'on va avoir, c'est que vraiment, on va prendre les choses avec philosophie, avec vrai. Enfin, je dirais pas à la légère, hein, c'est pas du tout ça. C'est-à-dire qu'on va se montrer plus détendu, plus souriant, avoir envie de plaisanter, avoir envie de séduire, de plaire, hein, de vraiment retrouver une forme d'équilibre au sein d'une équipe. Peut-être pourquoi pas aussi de réconcilier certaines personnes autour de vous, hein. Reine de Pentacle, vous allez vraiment être sous votre meilleur jour ici. La Reine de Pentacle, c'est un peu l'énergie qui nous parle de richesse, mais de beauté aussi, hein, de beauté extérieure, le fait de rayonner. Moi, enfin, je sais pas, je sens vraiment cette notion de plaire et de se faire beau ou belle aussi. Et en même temps, d'être dans cette démarche de joie. Voilà, de joie. Et pour moi, ça réussit. C'est très bien. Waouh, très bonnes énergies, c'est chouette. En tout cas, s'il y a un contrat à négocier, quelque chose comme ça, un entretien ou quoi, c'est gagné, hein. C'est gagné. Allez, on y va. Avec l'oracle chakra du cœur ici, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental pour cette journée? Forcément. Surprise. Donc c'est une journée remplie de surprises, encore. Ok, surprise. Surprise. Niveau relationnel et sentimental. Ok, donc ça, c'est l'énergie. La 3 de bâton ici me fait penser vraiment à l'énergie qu'on retrouve dans cette carte du plongeon, qui nous parle effectivement du fait de se lancer, du fait en tout cas d'avoir suffisamment le courage pour faire des efforts, pour aller de l'avant, peut-être aller à l'encontre aussi, hein, de nouvelles personnes, avoir le courage et de sortir de sa bulle. Voilà, hein. La 6 d'épée ici vous dit que vous n'avez plus envie de vous retourner en arrière, vous avez plutôt envie d'aller de l'avant, hein. Et vous y allez voilà, avec beaucoup de détermination, beaucoup de courage ici. En tout cas, c'est quelque chose de surprenant qui va peut-être surprendre votre entourage. La 8 de bâton, on nous parle ici de mouvement, d'échange, peut-être des discussions, des messages. Peut-être qu'il va y avoir beaucoup, beaucoup de choses qui vont se passer durant cette journée qui vont vous permettre, au niveau relationnel, en tout cas de voir beaucoup de monde aussi, pourquoi pas, qui vont vous permettre d'avancer, qui vont vous aider à avancer. Voilà, là on a la surprise parce que c'est quelque chose qui n'est pas prévu et du coup ça va vous mettre en joie, ça va vraiment vous encourager à aller de l'avant. Moi j'ai le sentiment que pour certains vous allez peut-être vous lever du bon pied et vous allez vous dire bah, aujourd'hui ça va être une chouette journée, je le sens, je suis de bonne humeur, c'est chouette, bon je sais qu'il va falloir que je me lance parce qu'il y a quelque chose que je dois accomplir aujourd'hui peut-être. Ben, je sais pas, un entretien d'embauche, une rencontre, hein, peut-être que vous avez quelqu'un ici qui vous avez un rendez-vous, qui voilà, et vous essayez de cultiver vraiment cette bonne humeur tout au long de la journée, à vous dire non mais tout va bien se passer, de toute façon, je le sens bien, je le sens bien. Et puis au niveau relationnel, il y a quelque chose de surprenant qui peut se passer. Vous allez peut-être avoir des messages, des discussions, des choses importantes, voir du monde, rencontrer du monde aussi, pourquoi pas. La lune. En dos de deck, nous avons la lune. Et la lune nous parle effectivement du côté intuitif, vos ressentis. Moi, j'ai le sentiment que, je vous disais, vous allez le sentir bien, en fait. Vous allez, intérieurement, vous allez sentir les choses. Vous allez sentir le bon moment, quelque part, pour pouvoir passer à l'action. C'est le bon timing, c'est le bon moment. Il y a un moment dans la journée où vous allez vous sentir suffisamment sécurisé, suffisamment enjoué pour pouvoir ben, passer à l'action, peut-être inviter quelqu'un, engager quelque chose, je ne sais pas. Il y a quelque chose ici où intérieurement, intuitivement, vous allez vous sentir porté. Attention au diable quand même, hein, le diable pourrait vous maintenir dans l'hésitation. Et vous empêcher d'exprimer ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Vous êtes connecté, vous avez l'intuition, vous sentez qu'il y a quelque chose de plutôt positif. Moi, j'ai le sentiment que ça s'adresse plutôt aux célibataires, pour certains en tout cas, j'imagine. C'est un peu l'idée ici que ça fait un moment que vous voulez vous déclarer votre flamme à quelqu'un, et là, vous vous sentez piégé dans cette oh, non, 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 mais j'ose pas, j'y vais pas. Enfin voilà, ça fait un moment que vous êtes dans cette énergie-là du diable et de l'hésitation avec la 2 d'épée.
et c'est quelque chose que vous intériorisez. Mais là, pour cette journée, c'est comme si ça allait être favorable. Donc, si vous avez suffisamment de courage et que vous sentez suffisamment les choses arriver, je pense que... Enfin, suffisamment le bon timing, en tout cas, pour vous lancer. Je ne sais pas si ça va vous parler, mais en tout cas, il y a quelque chose comme ça. Hein. Allez, on va voir ici quel est le message du tarot des anges gardiens. Alors, pour ce vendredi 28 août. Et nous avons le messager de la pensée. Un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances. Ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui, parfois, ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose. Il y a un nouveau projet ou quelque chose qui arrive. Voilà, on vous dit ici que pour cette journée, vous allez apprendre des choses. Il y a des choses qui vont venir à vous et qui vont vous permettre effectivement de vous lancer sur quelque chose qui... Sur une hésitation, voilà, sur le fait de rester dans l'inaction depuis un certain temps. Là, vous allez pouvoir passer à l'action à un moment donné de la journée. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.